Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, je suis en train de printer une base pour les tours hydroponiques. J'ai choisi une belle forme géométrique. Elle est long à printer. On peut voir ici que le temps de printage, ça fait 15h40 que ça print, puis il reste 16 heures avant que ça termine. Bon, il y aurait façon de faire ça un petit peu plus vite, mais ça serait quand même long. Bon, ici, j'en ai une petite là, mais je préfère vous montrer celle-là ici, qui est terminée. Là, on est au quatrième jour que j'ai planté les semences. Puis je suis surpris parce qu'ils ont toutes pris. C'est de la laitue iceberg que j'ai mis pour la plupart, là. Bon, ici, j'ai d'autres choses qui poussent. Je suis pas trop sûr c'est lequel. Je pense que c'est les fleurs, mais... On verra bien, j'en ai 3-4 sortes dans le même pot. Mais je vais vous dire que c'est fort surprenant comment que ça fonctionne bien. On voit l'eau qui coule. Comme ça. Là. Puis la pompe est au minimum. En fait, elle est au settings, le deuxième settings sur 5. C'est une pompe quand même extrêmement forte, j'ai mis dedans. La tour, je pourrais la monter plus haut, mais je m'aperçois là que dans la maison, avec la lumière que j'ai décidé de mettre dessus, je suis pas mal à la hauteur là qui semble idéale. Peut-être changer ça un peu, là, mais ça semble être ça. Puis je vais en mettre une coupe un à côté de l'autre sur la table. Bon, peut-être jusqu'à 3. Là. Puis là-dessus, j'ai l'équivalent de 13 plantes. Fait que c'est un succès, ça a fonctionné. Ça aurait pu quand même avoir quelques difficultés en chemin. Mais ça, c'est un setup là qui est sur internet, c'est open source, quoique j'ai changé, ça vient pas exactement comme ça, je l'ai ajusté, mais pour la plupart des pièces ici là, c'est des pièces qui étaient déjà designées, et là moi j'aime bien ça, là je vais commencer à designer des pièces originales. Pour ceux qui là, je suis en train de faire une nouvelle base ici. Puis je crois que je vais transformer là, des pièces comme ça avec peut-être multiples plantes. Là. On va dire quasiment tout le tour. Là. Je vais voir ce que je veux faire. Entre-temps, ça va très bien. Ça coûte quand même cher de filament, mais plus que j'avance, plus que je m'aperçois c'est combien de filaments qu'il faut que je prenne. Fait que j'ai réussi à réduire ça de pas mal. Là, comme c'est là, je trouve que c'est raisonnable. Et vous, j'avais 900 grammes. Puis là, c'est... Bon, on pourrait dire que ça a baissé d'à peu près 200 grammes. Quoi que ça n'a pas l'air d'avoir baissé, mais... Ouais, l'œil chou, ça a commencé. Ça a commencé. Ça a rapport avec plus de cercle ici, qui était le début. Peut-être sans... Peut-être ça ressemble plus à 200 grammes, je ne suis pas certain. Pouvoir confirmer ça à force d'en faire. Ceux-là, comme le gris qu'il y a là, lui, je l'ai fait avec 100% infill. Il est beaucoup plus lourd que les autres. C'est sûr que la qualité est mieux dans le sens où c'est dur comme la roche. Mais... les plus minces sont aussi efficaces là, pour le haut. Mais quand ça arrive au bas, hein, comme dans ce cas ici, je ne l'ai pas printé moi-même. Parce que là, pour les bas, si je les printe moi-même, ce que je vais faire, là, au fait, je suis en train de faire avec celle-là, mais ça va me prendre de l'époxy qui est grade...
food grade, comme ils disent en anglais. Puis ça, c'est la prochaine affaire que je vais me faire venir. Puis ça va l'isoler comme il faut pour l'eau, pour assurer que ça coule pas. Puis c'est pas mal ça. Donc ça avance très bien. Moi, quand je commence à faire de quoi, j'arrête pas. Là, ça m'a pris des années quand même à arriver à un point où je peux printer des grosses pièces. Ça prend quand même un certain temps, quoique. Parce que ça coûte cher, hein, le filament. Fait que tu t'essayes pas trop au début, tu sais. Puis tu prends confiance avec le temps. Là, avec les machines 3D, ils sont meilleurs qu'avant. Fait que t'as des meilleurs résultats. Fait que tu te décourages pas avant d'arriver là. Ou c'est moins décourageant. Mais ça demande beaucoup de temps. Hein, t'sais. Et comme là, faut que je m'assure que le filament, il en manque pas pendant que ça prime. Faut que je m'assure que le prime, parce que comme tu vois ici, le fil est bloqué à un moment donné. Fait que ça a fait une petite erreur. Ça, je répare ça avec un autre produit que j'ai. C'est comme un plastique qu'ils font dans l'eau bouillante, puis je vais le mettre dedans, puis ça vient dur comme du plastique. Fait que je peux réparer les fautes qu'il y a, mais c'est toujours plate quand il y en a. Comme dans ce cas-ci, il y en a une. C'est le filament, j'ai eu du trouble avec. Il veut toujours se. Comme là, il se coince. Il veut toujours se coincer, c'est pas une raison de l'autre. Ça m'a jamais fait ça auparavant. Là. Ce rouleau-là, il a comme déroulé un peu sur lui-même, puis il coince tout le temps. Mais à part ça, j'ai jamais eu ce problème-là. C'est un peu chiant pour là. J'ai hâte de quasiment passer au travers. J'espère que ça ne sera pas de mal tout le long. Il va essayer là, de réparer ça. Tu vois, ça arrive, tu sais, comme tu fais des prints, puis là, qu'est-ce que tu sais, il y a un problème avec, comme ça, là, il n'a pas fini de printer. J'ai eu du trouble un peu avec le printer, ça, là, il n'a pas fini, il a arrêté à moitié. Ça fait partie des composantes, comme c'est exactement la même chose que ça, c'est ça. Ça aurait fini, ça l'aurait tout fait, ça aurait fait ça, toute cette section-là. Fait qu'il y a du gaspillage de plastique, tu sais, c'est un peu décourageant, puis tu sais, comme ça prend tout le temps, fait que, là, 12 heures après, qu'est-ce que tu sais, ah non. Fait que ça prend plusieurs machines, je vais investir à acheter plusieurs 3D printers, parce que c'est extrêmement long. Puis tu sais, c'est le futur, là, de se faire pousser nous-mêmes l'agriculture, puis d'arriver à être autosuffisant, ça fait assez d'années j'en parle. Là, il est temps de passer à l'action. Fait que je passe à l'action. Puis je pense que là, ça a dû faire ça, ça fait longtemps. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas facile, c'est pas tout le monde qui se prend des tours hydroponiques. C'est pas comme si c'était. Mais c'est accessible. Fait que pour ceux qui veulent encourager ça, puis peut-être en avoir une, c'est mieux de savoir. Bonne journée!